Et nous sommes de retour pour plus de Odyssée. On a plein de choses à faire. On doit récupérer de l'argent et continuer des missions. Il y a un truc là. Non, y'a rien. On va prendre cheval, on réquisitionne. Merci, au revoir. Aïe 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 aïe. On réquisitionne. Donc on a des nouveaux pouvoirs, la dernière fois on avait testé un peu, ça marche très bien. Je crois que vu que nous on... C'est pas du bois récupéré, merde. Des fois je pense encore que c'est du bois récupéré, mais en fait ça n'est pas. On a récupéré des nouveaux pouvoirs, et j'avoue que ça se passe mieux. Vu que nous on est un archer, on peut faire différents types de... Différents types de flèches. Et je pense que c'est important pour nous de pouvoir les charger, les différents types de flèches. On prend tout. Là, c'est des cristaux et tout, ça tue quand même. Là, on n'est plus hors la loi. On a tué le mec qui nous cherchait. Personne nous a vu faire quoi que ce soit. Te revoilà. C'est nickel. Tu l'as tué ? L'homme est mort. Je suis heureuse de t'avoir fait confiance, Mystios. Prends ceci. Contente de t'aider. 550 et du bois. Oh, yes. Niveau 14. Niveau 14, très bien. Très bien. Très très bien, niveau 14. Donc ça on peut pas, il faut 16. On peut rien augmenter pour le moment. On a des choses, il faut, c'est lié à l'histoire. Ou alors c'est niveau 16. Je vois pas où mettre mon point d'habilité. Ça, on en a plus trop besoin. Les trois flèches, là, non. Ça, c'est pas intéressant non plus. La volée, c'est pas intéressant. Ça, c'est peut-être c'est pas mal. On a le temps, peut-être, de tuer. Mais on va jamais vraiment tuer d'une flèche dans la tête, comme ça. Ça, c'est niveau 16. Ça, c'est du actif, encore, à chaque fois. On va pas mettre 3 milliards d'actifs non plus, parce qu'au bout d'un moment, on va plus rien pouvoir utiliser. Parce qu'on a qu'une place pour le mêlée, pour le corps à corps, et on a deux places pour le distance. Donc on peut pas mettre grand chose non plus. Alors je pense qu'on pourrait reprendre les bêtes. Tout simplement, on pourrait reprendre les bêtes. Voilà. Même si c'est pas vraiment le mieux. Quoi. Ouais. On va dire que dans la région il y a beaucoup de loups, ça fait toujours ça de prix. Et on doit faire quoi? Tuer les brigands, c'est tout? Prime sur brigand. Hein. Je dois rester hors de vue. Magnifique, il brûle et tout. Allez voir si c'est grave.
dois le prouver, cet archer. Voilà, voilà. Tablette d'argile. Bah, très bien. Y'a pas un mec prisonnier? Non, y'a personne. Bon, ben les brigands, ça s'est fait. Ouais, c'est, ah, voilà, ça fait. Hein. Rien de très très difficile. Par contre, là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, là. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils vont tuer les... Ils vont chasser les loups. C'est intéressant parce que là ils quittent tous leur poste en fait. C'est fou que ce tir en fait chargé soit mieux. On voit un peu. Genre lui. Ah non, ça lui fait la moitié de sa vie. Et là, ça lui fait. Ouais, c'est pareil en fait. Par contre, ils ont l'air d'être. Ouais, ils ont l'air d'être un tout petit peu relous. Est-ce qu'on peut se mettre là et genre... Non, je peux pas passer le temps. Il faudrait que je m'éloigne. Je sais pas, peut-être que la garde, la nuit, elle dort et tout. Enfin, oui, les gens, ils dorment, c'est vrai. Il faut penser à ça, ce sera plus simple. Il faut que je trouve ce que c'est. Ça marche, ben viens. On va voir si on le one shot. Non, peut-être pas lui en fait. Encore heureux que le temps ralentit hein, pour faire ça, parce que vu qu'on doit maintenir la touche, c'est vraiment pas pratique du tout. C'est vraiment, vraiment pas pratique. On gagnera en assassin.
Et en armure, m'aiderait. Je crois qu'on va devoir les combattre le reste. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, c'est pas mal le soin, ça revient vite et c'est instantané, c'est vachement bien en fait. Ouais, le soin c'est un peu le truc qu'on a toujours besoin. Voilà. Ok, maintenant. Non, on est recherché. On est recherché pourquoi ? Vol. Crime commis, vol. Bon. Alors là, on a un accouchement difficile. Parler à la... Oh, encore ? Oh merde, il y a lui qui est là. Soldat espion, besoin d'aide rapide. Parler aux soldats athéniens. Je suis pas vraiment certain. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la quête principale ? On se concentre un peu, rendre compte à cet endroit. Ouais, allez, vas-y, on va un peu avancer dans l'histoire principale, parce que là, on a fait beaucoup de secondaires. Du coup, c'est ouf. Du coup, faut rendre compte où. Tuer les brigands, tuer les brigands. Ah, attends, ça me plaît, ça, en fait, tuer les brigands, là. Ah, tuer les brigands, c'est super simple en fait. Oh merde. On va courir ensemble. Très bien. Ah, il est juste là, le soldat athénien. Qu'est-ce que tu veux ? Je viens à propos de ton offre de travail. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai les plans de bataille des forces spartiates. Ah. Comment t'y es-tu pris ? Je me suis glissé dans le campement du général. Mais j'ai besoin d'aide. Il faut que mon commandant reçoive ses plans. Tu veux que j'apporte ça au commandant athénien ? Oui, et ceci doit arriver en un seul morceau. D'accord. Ok. Je vais le faire. C'est une chance d'avoir quelqu'un d'aussi fort que toi. Ouais. Laisse-les-moi t'aider. Enfin, après, honnêtement, on n'est pas fidèle à qui que ce soit. Hein. Comme j'ai dit, on s'en fout. Hein. Mais c'est assez violent ce qu'on va faire là. En plus, on est très proche. C'est le niveau 35.
Ah, du coup, merde. Ouais, non, du coup, on doit aller là-bas. Aïe, aïe, aïe. Un peu le bordel, là. Droite, gauche, droite, gauche. Vas-y. Bon, on va aller au mec athénien et peut-être qu'on va juste se concentrer sur l'histoire principale, sinon on va jamais avancer. Je me demande si c'est pas un piège. Ça m'étonnerait quand même. Mégaris, la ville des cochons. Hé, hé, l'athénien. Un soldat m'a dit que tu attendais ceci. Ah, je me demandais quand tu viendrais me voir. Tiens, voilà ton paiement. Son classe, vos costumes. Attends, il y a la femme qui est juste là, pourquoi pas lui parler. Oh là là, on va jamais s'arrêter, quoi. C'est toi qui as laissé un message sur le tableau. Qu'est-ce qui se passe? Les soldats s'en viennent et repartent, spartiates ou athéniens. Mais des enfants naissent aussi pendant les combats. Ils arrivent quand les dieux le décident. Tu attends des naissances? Plusieurs, d'un jour, voire d'un moment à l'autre. Mais les soldats m'ont pris mes remèdes. Ils disent qu'ils inspectent toutes les marchandises. Mais les nouveau-nés se moquent des inspections. Et tu me demandes d'aller te chercher ça? Oui, je dois à tout prix récupérer ça. Ouais. Je vais m'occuper de ça. Alors je peux avoir l'esprit tranquille. Laisse-moi m'en charger. Ça marche, c'est où? Ah, c'est pas très loin. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a quand même toujours de l'adrénaline sur nous, donc on peut vraiment facilement faire des habilités, genre hors combat, en combat. Donc ça, c'est cool. Ah putain, c'est ce camp-là. Ah la vache. Aïe, aïe, aïe. Ouais, d'accord. Ça, tu veux vraiment que... Oh la vache. Je crois qu'ils m'ont vu ou pas là? Ils ont pas l'air d'être très très alertés quand même. Les mecs, vous faites attaquer quand même. Je veux bien que vous soyez chill, mais il y a quand même une limite. Il y a trop de monde. Il y a grave trop de monde, c'est ouf. Relâcher l'animal, ça veut dire quoi? On le lâche là et genre il va attaquer ou pas? Putain, il me faut juste les remettre quoi. Je vois pas comment récupérer les remèdes en fait sans devoir combattre 3 milliards de personnes. Hmm.
Ah, vous savez quoi? On va y aller. Oh non, ça va être débile de faire ça. Vite, à l'abri! L'archer est là-bas! Je sais où tu es! Lâche! J'ai trouvé les archers! Je sais où est l'archer! C'est pas si mal, là. Avec qui se mettre en groupe, c'est vrai, peut-être là-haut de flèche, là, ça pourrait être pas mal. Les flèches venaient de là-bas. À mort. Voilà, on a intérêt à le payer. Ciao. Ouais ben, plus jamais hein. Est-ce que tu l'as eu? C'est à toi. Ouais. Tu fais du bon travail, Mistios. Alors voilà pour ta peine. Tu peux rejoindre mon équipage. Je cherche quelqu'un comme toi, et je peux t'offrir l'occasion de découvrir le monde si tu rejoins mon équipage. Je te remercie pour toute ton aide, Mistios, mais je doute de t'être utile sur un bateau. Tu auras toujours ta place à bord si tu changes d'avis. Oh, minerai de récalque. Attends, je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas parce qu'on est plein? Non, ça va, il y a encore une place. Merde. Oh, beaucoup de monde ici, hein. Alors, maintenant, on va... Je crois qu'ils nous chassent. Ouais. Alors, on va... Donc faut reparler à l'autre qui est là. Ça marche. Et les cochons, va. Nickel. Je crois que notre loup s'est fait défoncer, on est d'accord. Notre loup s'est bien fait défoncer. Allez. Par contre... Juste le marqueur là qui... Il y a une touche pour l'enlever le marqueur, je sais même pas s'il y a une touche. Parce que chaque fois je le remets, je le enlève.
Ah bah quand même. On a pu avancer, hein, monsieur le cheval. Sans déconner. L'ivrognesse. Peut-être qu'après elle vous. Peut-être qu'elle veut juste boire un coup. Hein. Allez, ya! On sait jamais. Hein. Peut-être qu'elle est, elle est cool. Hein. Vous défoncer. Mes chefs de guerre sont satisfaits, mercenaires. Quelle nouvelle apportes-tu? Le chef Athénien est mort. Mégaris est sur le point de tomber. Bien. Le loup a donné l'ordre d'attaquer. Je suis content, Mystios, que tu te joignes à notre marche vers la gloire. Mouais. Il est temps de porter le combat chez les Athéniens. Oui. Il est temps qu'ils ressentent la colère de Sparte. Allons, Cléo s'attend. Toi, tu lis dans mes pensées. Nous allons gagner, pour le loup et pour Sparte. Viens, nous devons rejoindre le campement avancé. Ouais, allez, let's go. D'accord, je suis prête. Suis-moi, nous devons nous préparer en vue de la bataille. Parle-moi du loup. C'est un grand homme. Il mènera Sparte à la victoire contre les... Non, non. Dis-moi quel genre d'homme, quel genre de père il est. Il force l'admiration. Fort, bienveillant à sa manière. Et parfois, je... Oui ? Rien, mais... Son regard se perd parfois dans la brume de ses souvenirs. Et j'y sens comme de la tristesse. C'est le chef militaire de Sparte. Mais c'est aussi un homme de chair et de sang. Et la vie apporte son lot de regrets. Mouais. Ah oui, on va quand même le tuer. Hein. On peut pas avoir un bouclier. Ce serait bien d'avoir un bouclier. Ça va être différent des combats auxquels j'ai pris part. Tu es prête à écraser les Athéniens? Alors, bataille de conquête. Après réduction de la puissance nationale, une bataille de conquête devient disponible. Athènes et Sparte récompensent à l'aide d'équipements épiques des batailles de conquête. La défense d'une nation est plus simple, mais moins bien récompensée. Attaquer une nation est plus difficile, mais offre des récompenses plus élevées. D'accord. Allons combattre. Je suis prête à me battre. Là, on se... Est-ce qu'on peut choisir notre camp? Alors, peut-être pas au début, j'imagine. Oh, waouh! Un mauvais jour pour Athènes! Un jour glorieux pour Sparte! C'est le jour de ma mort! Ah ouais, d'accord, c'est vraiment un combat de clan, quoi. Merde. Notre Mystios se bat comme Achille, la classe. Yeah!
Il n'y a rien à récupérer. Hein. Ah la pute! Tu m'as fait peur ce con. Ah c'est chiant hein, cette attaque chargée là. De l'arc. Hein. C'est dangereux. Hein. Ouais c'est mieux que ça quoi. Merde. Ça va, c'est marrant. Il y a toujours des mecs qui viennent vers nous en fait. Ok, très bien. L'autre il branle rien, je l'ai aidé, il branle plus rien, ça y est. J'essaye d'avoir de l'adrénaline tout le temps. Merde, pardon. J'étais sûr que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Oh, 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 tout ça. Le mec il va m'arriver dans le dos. Ouais, encore heureux qu'on a le son, hein. Putain. Ouais, pour ces guerres-là, il faut le soin. Bah, c'est bien, je suis content. Pas mal. On a un mec là, un gros mec. Gagné. Oh yeah, pas mal. Soldat tué 19, un capitaine tué. Ah, donc en plus on a 5000 d'expérience. D'accord, ok. La faction Sparte a vaincu la faction Athènes. Mégaris sera désormais dans le camp de Sparte. Putain, mais c'est vachement sympa hein, ce système. Au fait accompli. C'est bien. Je crois qu'on a récupéré une épée. Ah, c'est chiant. Moi, j'aime bien ma lance. Le loup réclame la présence de la mercenaire.
Annonce-lui que nous arrivons. Je regrette, mais il veut voir la mercenaire seule. Quoi ? Ah, il est au courant. J'ai dit que le général... J'ai bien entendu, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne discute pas ses ordres. Il est au courant. Très bien. Apparemment, d'autres devoirs m'attendent. Oh la vache. Ah, une faux. Attends, c'est peut-être pas... Merde, attends, qu'est-ce qu'on a récupéré? Casque de champion atténué. Le loup de Sparte. Faire parler Nikolaos. Ouh, vous avez vu la récompense? Alors, fais voir. C'est, ouais, c'est ça, c'est une arme lourde. Ouais, bon, pas grave. Après, on a eu un casque. Par contre, le casque, ça va être mieux. Dégâts à l'arc sur cible lointaine. Ouais, lointaine, ça veut dire quoi? Genre à 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Mais en tout cas, c'est bien. Ouais, ça c'est bien, c'est des détails qu'il faudrait avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être détailler. Tir à la tête, on a 130% de dégâts. L'incendie 13 secondes. L'incendie dure énormément plus longtemps par contre que le poison. Quoique en fait c'est durée de l'incendie et après c'est dégâts de poison. Donc quand il y a des... quand le poison est rempli en fait ça fait une... un dégât... Non, durée toxique 12 secondes. Non, j'ai rien. Non, non, c'est bien un dot. Sauvegarde. Mais il est sympa notre casque. Tu t'es bien battu aujourd'hui, pour une mercenaire. Ne fais pas attendre le loup. Ouais, ça va mal se passer cette histoire. Moi je dis qu'il est en haut d'une falaise, hein. On lui met un coup de pied. Hein. On lui met un coup de pied spartanien, c'est bon quoi. Nous y voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, que c'est un connard et que tu vas le tuer. Point barre. Il a laissé notre frère mourir et il l'a tué elle. Ainsi, c'est toi qui nous a apporté la victoire. Donne-moi ton nom, héroïne, afin que je puisse t'accueillir en vrai guerrier. Ah non, il sait pas alors. Il est vieilli quand même. Kéré, père. Cela faisait longtemps. Oh mon dieu. Impossible. Donne-moi ton armure avant que je te tue, par contre. Je ne suis pas tombé. Tu m'as jeté vers ma mort. J'ai accompli ce qui était mon devoir de Spartiate. Et j'ai enfoui ce souvenir. Tu dois en faire autant. Tu étais mon père. Ton devoir était de me protéger. Tu étais téméraire. Tu m'y as contraint. Je ne faisais que protéger mon frère. À ta place. L'oracle avait déclaré qu'Alexios devait mourir. Sa parole est sans appel, tu le sais. Non, il est trop tard. Tu ne peux plus te cacher derrière ton sens du devoir. Je ne peux pas changer le passé, Cassandra. Je vivrai et mourrai en Spartiate. Mais ouais. On peut arranger ça. Tu savais qu'on offre une grosse récompense à celui qui tranchera la tête du loup. Et c'est pour ça que tu es là.
Je suis venu chercher des réponses. Je suis venu me venger. Le devoir ne te protégera pas des fantômes du passé. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je verrai l'éclat de la vie quitter ton regard en te tuant de mes mains. Ah, oh, putain, la conne. Je vous aimais. Toi et ton père. Ah, yes. Bien joué, bien joué. Mais tu n'as jamais été à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une question que tu devras poser à ta mère. Cassandra. Cassandra. Méfie-toi des serpents dans les herbes. Qu'est-ce qu'il raconte? Je tue tout le monde. Osef, complet. Je tue tout le monde. Faut pas se laisser distraire par les mots d'un homme comme ça. Bon, par contre, maintenant, le problème, c'est qu'on a une armée derrière nous. Donc, ils vont peut-être pas bien le prendre. Oula. Ouais, genre le fils adoptif, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est con, lui. Par tous les dieux! Mais qu'as-tu fait? Ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Oh putain, on devait répondre avec du temps. Mais il ne m'a pas laissé le choix. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et moi. Et c'était sa faute. Va chez Hadès et emporte tes mensonges avec toi. Attention. Il y avait deux réponses. Putain, j'ai pas eu le temps. Je savais pas qu'il y avait des réponses avec le temps. Putain, tu peux chier, quoi. Oh, le connard, il est tombé dans l'eau. Quel enfoiré. Mon dieu, tout ce qu'il y a. Tiens, tu le veux, ton père? Tiens. Bon, par contre, nous, on est un assassin. Oh, bravo. Je veux pas qu'on remonte. Vas-y, viens, on remonte. Faut que je roule. Attends, faut qu'on fasse comme dans le film. Ramène-toi. Faut qu'on fasse vraiment comme dans le film. Désolé, mais ça, c'est obligé. Il faut qu'on fasse comme dans le film. Allez, ramène-toi. Bon, par contre, je suis un peu... Ouais, je suis dégoûté. De toute façon, peu importe ce qu'on lui dit, le mec, il lui répétait un câble et tout. On a tué son père adoptif, il admirait. C'est bon, j'ai deux barres, c'est bien. C'est bon. Ok. Scène 2. Tech 2. Ok, let's go. Il va me tuer, ce con. This is Sparta! Voilà. Ils vont chercher à me tuer. Il faut que je m'en aille. Nickel.
Nickel. Bon, par contre, maintenant, il faut aller récupérer le cadavre. Putain, on aurait dû plonger dans l'eau, en fait. Maintenant, il faut récupérer le cadavre pour récupérer ce qu'il y a sur lui. Oh, merde. Je vois un casque rouge qui arrive. Attends, il est tombé. C'est qui, ça? Cacton, le grand bœuf. Il est niveau 15, maintenant. Attends, il est où le cadavre? Il est tombé à droite de l'eau. Hein. Là. Merde. C'est lui, ça, c'est son équipement. Où est le cadavre? Genre, on peut pas le looter? Ah, ça m'embête, ça. J'ai envie un peu de recharger la partie. Pour voir les réponses qu'on aurait pu donner. Parce que j'ai pas trop eu le temps, en fait. Le casque du loup. Casque porté par Nicolas. Puissant général appelé le loup de Sparte. En l'honneur de ce surnom, une tête de loup et babine retroussée en ordre de sommet. Ah ouais. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un loup dessus. Genre... le loup et le serpent. J'ai envie de recharger. Ça m'embête un peu. Alors, dégâts sur soldats athéniens, dégâts de guerriers. Dégâts avec aptitude coup de pied spartiate, 20%. Ouais, je suis pas très étonné. C'est quand même mieux notre lance. Hein. On peut pas avoir une deuxième arme. Voir, là, on gagnerait en assassin et tout, dégâts. Un peu l'épée. Ouais, on peut l'utiliser. Je suis un peu deg. Et l'autre, il est passé où, ce con? Il me suffit de te tuer et d'aller toucher ma tête. Ça marche. Ah la pute. Je te conseille d'abandonner. Tu veux que je te montre comment on fait à... comment on fait à Sparte? J'espère que je vais y arriver. Ça, c'est un arbre, mec. C'est vraiment tout ce que tu sais faire. Je vais l'attraper. J'ai faut pas grand chose. Ouais, c'est pas mal cette épée. Oh. C'est quand t'as loupé l'eau de pas très loin. Oh. Ouh.
dégâts chasseur, probabilité de crit, dégâts, aptitude tir dévastateur. Ouh, ça c'est bon ça. Elle est avec un lion. Dégâts à la lance, dégâts guerriers, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah rien. Oh merde! Niveau 16. Les senteurs du printemps sont dans l'air. Ça me rappelle Spa. Je ne laisse pas. T'es faible contre quoi, toi? J'ai pas vu. Que quelqu'un vienne m'aider! Allez, danse pour moi! Alaka! Que quelqu'un vienne m'aider! Pourquoi je fais pas ça? J'ai du mal à la timer elle, mais elle a tellement une portée de merde. Ouais, c'est vrai. T'as pas tort. Inutile de perdre son temps. T'as pas tort. C'est bon? Putain. Bon, on va pas recharger. Dans un sens, j'ai vraiment envie encore une fois. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Bon, maintenant, je sais qu'il faudra faire attention que des fois, on a des réponses rapides. Comme ça. Ils auraient dû me donner un peu plus de temps quand même. Mais bon, c'est fait exprès pour donner le fait que c'est urgent et tout. Bon, qu'est-ce que j'en fais moi de cette épée à la con là? Donc là, on a... En fait, quand on infiltre, ce serait mieux la lance. Mais après, quand on combat, ce serait mieux l'épée. En gros, étrangement. Mais bon, je crois qu'on va simplement rester avec l'épée pour le moment parce qu'elle est passée de notre père, quoi. D'une épée capable de commander à des centaines d'hommes, d'inspirer des milliers et de châtier ses opposants. Ouais, on va garder cette épée-là. Parce que voilà. Bon, allez, on se casse. C'est... Allez, on y va. Ah, par contre, le frère adoptif, là, ça m'embête un peu. On l'a tué. On n'a pas trouvé son corps. Je vais juste vérifier encore une fois. Ça m'embête quand même. Je pense qu'on a trouvé ses armes, mais pas son corps. Ça n'a pas trop de sens, quand même. Genre ça, là. De toute façon, s'il était là avec mon pouvoir, je pourrais le détecter. Bon. Ouais. Ça m'emmerde ça. S'il faut, il avait un truc important. Ah.
vais juste regarder les sauvegardes, genre comment elles sont gérées. Fais voir si je suis chargé. Sauvegarde auto 3 et 4. Alors, on va faire une sauvegarde. Comme ça. Ok. Alors là, sauvegarde automatique. Dernier épisode. On va voir. Désolé, mais j'ai pas envie de passer à côté d'un truc parce que genre ça a glitché quoi. Genre là, on a tué le fils. Qui revient. Ok. Donc là, ça a rien changé. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a une sauvegarde juste avant? Dernier épisode. Sauvegarde rapide. Sauvegarde rapide, je crois que c'est quand je fais la montée, là. Je suis dans le... Dans la montée avec les soldats en rang. Le loup, t'attends. Tu t'es bien battu aujourd'hui. Trop de mercenaires. Ne fais pas attendre le loup. Va zapper un peu la conversation et tout ça. Nous y voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais on va le tuer quand même. On va faire la même chose. Après on va tuer le fils et on va voir si on récupère des objets ou pas. Meurtrière. La traîtresse. Passé. Elle l'a... Ainsi, c'est toi qui nous... Kéré. Je ne suis... J'ai un con... Tu étais... Je ne fais... L'oracle, ça pas... Non, il est... Ah, c'est pour ça... Je suis venu me venger. Le devoir ne te protégera pas des fantômes du passé. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Ok, et l'autre, c'est quoi les... Est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce... Alors, ce que je vais lui faire. J'ai fait mon devoir, me venger de l'homme qui a essayé de me tuer. Voilà ce que j'ai fait. Traîtresse ! C'est reparti, le mec il remonte, il est dans l'eau, putain de merde. Ah, je lui ai fait tomber son bouclier, tu vois. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'ai un mec qui est aggro. Oh, j'ai l'armée qui est aggro. Je voudrais juste le tuer, qu'on voit ce qu'il donne. J'ai vu des chèvres qui s'y sortiraient pas comme ça. Merde, pas vu. Tu vas mourir. Tu vas mourir ici. Ça devrait être. C'est déjà mort. Les Spartiates vont chercher à me tuer. Il faut que je m'en aille. Y'a rien. Ok, donc il a strictement rien, ça va. Donc c'est bon, on est bon. Alors... Attends. Charger. Celle-là. Non. C'est les sauvegardes auto, ça.
Merde, putain, je sais pas. Dernier épisode. Ça, c'est manuel. Ça, c'est auto, 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 manuel. Un code de couleur serait sympa, genre peut-être. Parce que je sais même pas les types de sauvegarde que j'ai faites, quoi. Ok, là on est bon, là on est revenu où on était, ça marche. Donc ouais, non, le fils n'a rien. Le fils adoptif n'a rien sur lui. C'est bête. Allez. Sera en alerte. Est-ce que ça marque les gens automatiquement? Personne, reste cool. Hey, je peux les enchaîner. Ah, attends, je peux les enchaîner, mais ça me disait que non. Envoyer un lance de Onidas à un ennemi, descendre une chaîne de dégâts, possibilité d'enchaînement une fois. Ah, d'accord. Oui, ok, je peux quand même l'enchaîner une fois en fait. D'accord. Ça veut dire que je peux faire deux morts. Ça marche. C'est ça qu'ils veulent dire en fait. Ouais, du coup, Sparte, ouais, ils vont pas être très heureux de me voir, quoi. J'imagine qu'ils vont pas être très chaleureux. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont pas être très très chaleureux. Et du coup maintenant je peux tous vous tuer en fait. Bon, moi il faut que j'atteigne... Bon moyen pour partir. Tout à coup. Pardon. Oh. Ils vont me voir. Ou alors ils s'en foutent. Peut-être. Peut-être qu'ils s'en branlent, hein. Ça m'étonnerait. Bah ouais, si on n'est pas dans une zone interdite, mais ça m'étonnerait quand même. Ah mais je peux pas passer parce que... C'est un peu étrange quand même de s'en foutre alors que j'ai tué le chef. Ou alors personne le sait. Étrange. On est recherché. Dirigeant gouvernement spartiate. Dirigeant non. Traître à Sparte. Oui, quand même. Hein, tu peux rajouter vol aussi.
Ah, il y a peut-être des choses en bas. Ou pas. Il y a du, sang, il y a du requin ici, non? On va se casser. Je vais revenir sur le bateau. Alors les mecs, vous allez jamais en croire vos oreilles. Alors ce qui s'est passé, c'est que bon, il faut partir, genre loin. Beau père. Oh, j'imagine que les dieux pardonnent plus facilement un beau parricide. Nikolaos m'a élevé et formé. Il sera toujours mon père, même s'il a tenté de me tuer. Et c'est mieux ou c'est pire? Peu importe, après tout. J'ai connu des familles bien plus compliquées que la tienne. Ah bon? Merci. Je suis contente de t'avoir avec moi, Barnabas. Et moi, ouais, je suis cool. Content d'être là. Tu as besoin d'autre chose? Trouver ma mère. Elle est en vie, Barnabas. Du moins, c'est ce que pensait Nikolaos. Parera, pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait alors? Où est-ce qu'on va, capitaine? Dans l'immédiat, à Phokis. Elpenor a dit qu'il m'y retrouverait. Il me doit de l'argent et une explication. Bien, Cassandra. Et profitons-en pour interroger la Pythie. Si quelqu'un a des réponses à t'offrir, c'est l'oracle de Delphes. L'oracle est une vraie plaie. Ouais, une vraie plaie. Les prédictions de l'oracle ont détruit ma famille. La Pythie détient la sagesse d'Apollon en personne. Ouais, c'est en ça. Revanche, choisir d'ignorer ses dires, c'est courir au désastre. Si nous avions ignoré la Pythie, mon frère serait toujours en vie. Et ma mère, en sûreté chez nous. Au travail, alors. Tu sais où trouver Elpenor, j'imagine? Il vit au débarcadère des pèlerins. Mais la dernière chose que Nikolaos m'a dite a été de me méfier des serpents de réserve. Je crois que tu ferais bien de te préparer avec soin. C'est surtout à Elpenor de se préparer. Retrouve-moi au temple d'Apollon, à Delphes, quand tu en auras fini avec tes serpents. Oh, Cassandra! Avec toute cette agitation, j'ai failli oublier. Il est arrivé malheur à ta maison. Quoi? Ma vieille baraque? Elle tenait à peine debout, déjà. Non! Je veux parler de Kefalonia! Une maladie a frappé toute l'île. On dit qu'elle a commencé à Chaosos. Apparemment, il n'y a pas de remède et beaucoup sont morts. Ah merde. D'accord. Ce prêtre avait raison. Si tu le souhaites, nous pouvons à tout moment revenir à Kefalonia. Merci, ah merde. Barnabas, je m'en souviendrai. Sans déconner. Elpenor va devoir s'expliquer. Non mais sans déconner, c'était vrai avec ces conneries de malade là, il fallait quoi, tuer la famille? 200 crédits Elix ont été ajoutés à votre compte. Pour les dépenser, appuyez sur le menu afin de rejoindre le magasin avec la récompense unique. Tu vois ? C'est quoi ça ? Magasin. Récompense pour vous. Mais faut payer ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Pack de cartes qu'on peut associer à un filtre de cartes prévoyant l'emplacement des coffres légendaires. Ah, c'est sympathique. Mais... Enfin, oui, c'est sympathique, mais on est d'accord que ce genre de choses, il faut les payer. Extension... Mec de la première lame. Le sort de l'Atlantide. Pack. Pack d'armes tartare. C'est stylé. Ouh! Marrant ça. Ah, je veux pas dire, mais les skins, hein, Ubisoft, ils font des bons trucs.
non, Ubisoft, j'avoue que ça, ils font des bons trucs, Ubisoft, à chaque fois. C'est quoi ça? Pack naval enfer. Ça pète! Ça tue. Ouais, non, mais il y a des super. C'est des super trucs là. Pack de lieutenant. On a l'équipement. Time savers. Crédit Elix. Alors vas-y, fais-moi pleurer. 1050. Petit 10 euros. Obtenir. Ah, attends. Il y a des trucs que j'ai pas obtenus. Ah oui, ça c'est parce que je fais partie du club. Donc, d'accord. Ouais, vous êtes partie du club. À qui. Et après, il y a ça. Obtenir. Ah, genre, c'est peut-être un truc que j'aurais pu prendre plus tard pour avoir les niveaux, en fait. Bref, on sait. Moi, honnêtement, ça m'intéresse pas. Alors, inventaire. Fais voir si c'est bien. Niveau 15. Dégâts tirent dans la tête. Ah, si, c'est bien, en fait. Terrible. Dégâts de chasseur. 10% d'ennemis pour exécution par tir dans la tête. Aïe aïe aïe, ça c'est bien aussi. Brassards de TD sont bien, mais. Ah tiens, maintenant ils font 4% de vie, ils faisaient 2% avant. C'est parce qu'on a atteint un palier ou je comprends, ou je sais pas trop. Peut-être. Pourquoi on a 2 dégâts? Pourquoi on a 2 dégâts maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est, on a enfin débloqué une deuxième arme. Putain, il était temps. On a enfin débloqué le deuxième emplacement. Ça, c'est parce qu'on a avancé dans l'histoire, j'imagine. Mais attends, mais c'est de l'équipement chasseur parce que c'est complètement aléatoire ou ça tombe bien ou c'est parfait en fait pour nous. Non, mais c'est méga parfait en fait. Vitesse de charge de l'arc. Et après, on a un autre. Ah, celui-là, il est joli, celui-là. Atoll Égéen. Étrangement, cette monture aime autant le tangage et le roulis des navires que la terre ferme. Cool. Oh, ah oui, un arc à niveau 15. Tire à l'arc chargé, plus 4%, dégâts de guerrier. C'est pas mal, les stats sont pas mal, mais je crois que le meilleur, ce serait le nôtre, augmenté au niveau 15, en fait. Non. Le gars tire dans la tête. Je sais pas. Ah, mais ça coûte cher après en matos, honnêtement, j'ai envie de faire des économies. On va faire des économies de matos, donc on va utiliser ce qu'on trouve. Ah, on a un carquois bleu maintenant. Je peux fabriquer ces flèches ici. Yes, on a plus de flèches. Oh, ça tue. Ah, mais ça tue les récompenses qu'on a eues, là. Nouvelle gravure disponible, augmentation des dégâts de la santé, capacité, machin. Plusieurs quêtes acceptées. J'attends de voir ce qu'ils nous disent tous. Ok. Non, mais ça va, c'est sympa là. Là, ça devient cool. C'est-à-dire, on a plus de flèches. C'est cool. 5. Ça, on va en faire 5 aussi. Là, c'est bien.
Oh là là. L'oracle, consulter un fantôme. Ça, on va voir après. Qu'est-ce qu'on a là? Vision et visionnaire, ok. On va retourner en... Dans notre vieux pays, là. Est-ce qu'on a une quête par rapport à ça? Dirigeant fortune, fille d'Artémis, chez le sanglier de... Ah oui, le sanglier, ça aussi, on n'y arrivait pas. Quête de Corcura, niveau E. Épuisée par ses épreuves quotidiennes, Cassandra a décidé de songer à prendre du repos afin de récupérer. C'est quoi? Une grande évasion. Ok, on peut retourner là-bas. On peut se téléporter, mais j'ai pas envie de me téléporter. On va juste naviguer. Par contre, j'ai pas fini. Aptitude. Est-ce qu'on peut augmenter nos habilités? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, voilà, ça y est, maintenant on a deux armes. Ça, c'est cool, progresser dans l'histoire. Bon, ah, 1 sur 2. Merde, pas ça que je vais faire. 1 sur 2, ça aussi. 1 sur 3, là, niveau 20. 19 points de plus, ok, ça marche. Bon, on a un point, je sais pas où le mettre. Je crois qu'on va attendre, parce que ça c'est niveau 16, tout est niveau 16 en fait. Tous les trucs qu'on peut monter. Ça nous sert un peu à rien de récupérer un léopard, un lion ou un lynx, c'est super rare. À moins qu'on aille dans une contrée où il y en a énormément, pour l'instant on laisse ça de côté. Mais là les niveaux 16 c'est pas mal, donc on va attendre, on va garder le point pour le moment. Après je sais que dans des fois il y a des brigands qui ont... Ouh, bien sûr. Il y a des brigands et tout... ont des cages et il y a des machins dedans, il y a des léopards et tout ça. Donc là oui c'est intéressant, mais sinon ...215... Je vais plus avoir de bois encore une fois si je fais ça. Allez, on rentre, on se casse. Prêt à faire brûler ces chiens! Au poste de navigation! Ravi de te voir, capitaine! Là, ça a l'air d'être précieux. Si un navire ennemi approche, je veux le savoir. C'est parti. Ça, c'est marrant, je comprends pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Faut qu'on regarde les armes aussi. Là, on a mis les deux armes différentes, du coup. Donc, on a ressorti la lance et l'épée. La lance, ça serait pour l'infiltration. Ça n'a pas vraiment de sens de jouer comme ça. Mais... La lance, ça serait plutôt pour l'infiltration. Et puis après... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font là, le combat? Sortez les avirons! Attention! Attention, attention! C'est Sparte ça! Ah, on doit pas en défoncer les Spartiens? Les Spartiens, niveau 15, niveau 15. Archer, préparez-vous.
ça. Préparez-vous à tirer. Putain de merde. Il y a Locke qui nous défonce en même temps, quoi. Est-ce que ça va nous sauver de faire ça? Allez, on va tuer les Spartiates. N'importe quoi, ce bordel. Et go. Oh, l'autre, il est mort, direct. Ok, je me fais défoncer, c'est bien. Et je vais crever. Pas de soin. Ok, je l'ai mis dans l'eau. Ouh, la vache. Et lui, on en fait quoi, lui? Recruter. Va falloir que tu te bouges, le mec. Tu veux voir un peu? Action active. Oui, oui, parce qu'on est en combat. Tenter à tous les lieutenants. Ouais, non, tu sers à rien, en fait. Il y a trop de navires spartiates en fait. Bon, au moins on en a combattu un. On en a combattu un, on a vu un peu comment ça. Ce que ça donnait. Hors de danger. Je dois dire que tu m'as fait peur cette fois. Ah, on régène petit à petit. Ok, cool. Donc ça va, c'est comme en combat normal en fait, à pied. Bon, par contre, lui, laisse-toi. Ça. Très bien. On a le droit à un troisième. Alors, dégâts des javelots. Suivant le boost, dégâts incendiaires, accumulation. Il me faut plus de vie en fait. Santé, tout dégâts. Oh non, peut-être pas. Gâché par les soldats de marine. Dégâts de javelots. Dégâts incendiés subis pendant les boosts. Pas trop en fait. Ah lui. Dégâts d'apprenage et tout ça. Ouais, pas mal. Il chante pas cela? Ah si. Ils sont un peu moins bruyants en tout cas. C'est bien. Ouais, ils sont beaucoup moins bruyants, c'est bien. Donc, on a quand même détruit notre ville, quoi. Parce qu'apparemment il y avait vraiment une épidémie et c'était pas des conneries. C'est chier. On va voir. Ah mais vous aussi vous avez des musiques de merde.
c'est quoi ça comme bateau? Ah, vous avez aussi des musiques de merde, les mecs. Non, ça sert à rien. Arrêtez. S'il vous plaît. Arrêtez. Est-ce que j'ai besoin de ralentir ou pas? Ou je peux directement accoster comme ça? Ah, ok. Elle le fait automatiquement. Ça va, on a un bon équipement. Ça a l'air d'être parti en couille quand même ici depuis qu'on est parti. On va un peu. Dague à la con. Dinothorax de pirate. J'ai vu des pirates. Ah, c'est tout pirate, ça va. Ouais, on est bon. Ouais, ouais, on est bon. J'aime bien notre équipement, ça va, c'est cool. Comment on change d'arme du coup? Ça marche. Tout le monde est malade, c'est bien. Waouh. Eh ben putain. Prenez le large. Alors, progression appropriée. Vous êtes sur le point d'entamer les trésors. Si vous décidez de mener cette quête, vous risquez de dévoiler tout... Quoi ? De dévoiler toute partie de la fin du jeu. Il est recommandé de poursuivre cette progression dans le jeu principal afin de débloquer le contenu. Souhaitez-vous lancer dans cette quête ? Non. D'accord. Bizarre, en fait, ces choses. Je comprends pas vraiment pourquoi il y a plein de trucs comme ça. Une grande évasion. Mais du coup... Non mais je veux pas me faire spoiler en fait. Désolé mais je comprends un peu à moitié ce qui se passe là. Waouh, mais les trucs ils attaquent et tout les Kleps. De chien. Et la petite fille qu'on a laissée, elle a encore en vie ou pas? C'est bien triste, hein, maison abandonnée. Je sais pas quoi dire là. Ouais, non, c'est triste un peu. Tout le monde qui est en train de crever là, d'une maladie. Tu veux que je fasse quoi, moi? C'est pas ma faute. Si? Bon, ça, je sais pas trop ce que on est censé faire, en fait. On va le tester. Je vais sauvegarder, on va le tester. Ça me... Je trouve ça bizarre, en fait.
Il y a des rats et tout. Quoi. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas... Genre, il y a zéro cinématique ici. Il n'y a pas de quête, il n'y a rien. Ils ont brûlé les gens et tout. Quoi. Bizarre tout ça. Prenez le large. Alors, si tu es sur le point d'entamer les trésors, tu décides de cette quête, risquer de dévoiler toute une partie à la fin du jeu. Fais voir un peu. Envie de visiter le paradis, Mistios? Le paradis? Ce bateau va à l'Elysée. Non, à Corcoura, une île où on ne travaille pas. Une destination de vacances. Vacances? Qu'est-ce que c'est? Un état d'esprit, où la seule tâche est de prendre un repos bien mérité. C'est un nouveau concept. Ça m'a l'air tentant, ma foi. Et tu verras, ouais. Il n'existe pas d'eau plus claire que celle de Corcoura. Mais, et les soldats? Les criminels? Les gens? C'est eux que j'ai surtout besoin d'éviter. Ils sont trop occupés à se détendre aussi. Alors, veux-tu faire la traversée du jour? Allons pour des vacances. Alors, dernière raison, cette quête peut dévoiler toute partie de la fin du jeu. Bon bah non alors. Non ok, d'accord. Donc ça dévoile bien la fin du jeu. Ok, ça marche. En ce cas, ça, on le fait pas. Bon, qu'est-ce qu'on est venu faire là? En fait, strictement, il n'y a pas de quête. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a strictement rien à faire. Peut-être sur mon bateau, il y a peut-être... Il n'y a pas des zombies? Ils auraient dû mettre des zombies. C'est quand même sur les navires spartiates. Il n'y a pas de zombies, il n'y a rien. Il y a R. On se casse. Ouais, poussez-vous, vous me faites chier. On est venu là pour rien, personne m'a dit. À vos postes de navigation. Genre la petite fille, elle est plus là, on sait pas, il y a rien. On se casse. Accrochez-vous, allez. Je suis déçu. Je suis déçu. J'ai voulu explorer. Après, on m'a dit d'aller à Phokis, c'est ça. Hein. J'ai déjà fait pas mal de choses là-bas. Hein. J'ai déjà défoncé des trucs et tout ça. 15 sur 15, c'est très bien, 15 sur 15. Là, on a qui? Oh, il y en a elle. Ah, mais c'est niveau 20. Ouais, non, mais elle va me défoncer au niveau 20. À la limite, il faudrait qu'on soit niveau 16, comme ça on a deux points à mettre. Alors, parler à l'oracle. Quand on est voir, il faut un focus. Voilà, on peut faire ça. Ouais. J'aime bien notre skin. Vraiment cool. J'aime bien l'ambiance comme ça là avec les éclairs. Comprenez-vous, Poséidon et Zeus doivent se disputer pour savoir qui va couler le navire. On aurait dû sacrifier une chèvre avant de partir. Ah, arrêtez vos conneries. On sacrifie que dalle, les chèvres on les bouffe, c'est tout. C'est classe. Est-ce que je peux faire avance? Yeah, je peux faire ça. Ah merde, elle s'arrête. Ah putain.
Ah, ça c'est bête. C'est bête, c'est bête. J'aurais bien voulu que le bateau continue en ligne droite. Même en ligne droite, ça peut être dangereux et tout ça, mais bon. Enfin, si on décide de faire le bateau, hein, aussi. Enfin, de faire l'aigle. Donc c'est... On décide de laisser le bateau avancer seul. Hein. C'est notre choix. Il y a énormément de bateaux, quand même. Bon, on est de retour. Les gens, je crois pas qu'ils vont être... Je crois pas qu'ils vont être très très heureux de nous voir. Nous revoir surtout. Mais on est là. Avec des nouveaux pouvoirs en plus. Encore plus puissant, plus connard qu'avant. Là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Allons voir ça. Ah oui, il y a lui aussi. Peut-être qu'on en a assez maintenant. Ça, on l'a. Oui, trucs en or. Ouais, il faudrait avoir des trucs en or, en fait. Alors, on n'a pas le temps de prendre un pont. Ça sert à rien. Par contre, je veux juste aller récupérer cette quête là. Je suis un peu surpris qu'il y ait zéro quête en fait chez nous. Les dieux, les oracles, parce que. Parce que l'autre, il disait quand même qu'il y avait une épidémie et tout sur notre île d'où on vient. Il n'y a rien à faire. Je suis super étonné en fait. Faut pas voir que je regarde après Google s'il y a vraiment strictement rien. Tu as des ennuis ? Oh, ça, je n'en manque pas. Déjà l'oracle, ensuite la mer, et je ne te parle pas de mon équipage. Tu es en affaire avec l'oracle ? Tu es loin de Delphes, pourtant. Je l'étais, oui. Et mes affaires ne te regardent pas. Je n'ai que faire d'une Mystios. Les seuls à pouvoir m'aider, ce sont les dieux. Tu peux aussi régler ça toi-même. Quand on veut obtenir quelque chose, il vaut mieux le faire soi-même. Tu as raison. On ne peut pas faire confiance aux dieux, ni à leurs serviteurs. Bon, qui es-tu ? Capitaine Gallon, du Dent de Requin. Le Dent de Requin est ton bateau ? J'ai l'air d'un abruti de pêcheur. C'est un navire, pas un bateau. Un navire, pas un bateau. Change de ton. Change de ton. Malaka, j'étais venu voir si tu avais besoin d'aide. Ah oui, personne ne t'a rien demandé. Tu sais quoi, va aux enfers. Ah. Désolé, voilà. La journée a été dure. J'ai terminé mon affaire avec l'oracle et je devais retrouver mon navire ici. Mais aucune trace de lui et je traîne ici depuis la nuit dernière. Parle-moi de ton navire. Alors, où est le Dent de Requin ? Tu crois vraiment que je serais encore ici si je le savais ? D'accord, je recommence. Où devais-tu retrouver ton équipage ? J'ai envoyé Guiquet, ma compagne. Il arrive que des pèlerins restent coincés dans les hauts fonds et on les aide. Oh, ta compagne ? Oui, ma meilleure recrue. Et bien plus encore. Écoute, retrouve mon navire et ma Guiquet, d'accord ? Je te paierai. Okay. Je vais découvrir ce qui s'est passé et te les ramener. On doit chercher. Tu sais où ils ont pu aller ? On gagne bien sur la côte sud-est. Il y a une jolie crique où on peut piéger de riches pèlerins perdus. Tu es une pirate ? Et quand bien même ! Je suis la pirate qui te paie. Et puis, je ne fais pas tout le temps ça. C'est plutôt pour passer le temps. Passer le temps ? Tu es sûr que ton équipage ne s'est pas mutiné ? Pas avec ma Guiquet à la barre. Et l'équipage n'a pas reçu sa part du dernier voyage. Il ne serait pas parti sans avoir été payé.
Ça marche. Je vais les retrouver et te les ramener au plus vite. Il faut que je prévienne Gellon. Alors, sans équipage. On va pouvoir récupérer des gens, je pense. Je vais voir ça. J'espère qu'on est, on pourra en avoir plus quand même. Alors, fais voir un peu. Donc, le dent de requin, navire de la capitaine Gellon, n'était pas revenu de la chercher. Cassandra accepta de tenter de découvrir ce qu'était devenu le navire et son équipage. Donc, il y a une petite crique, genre là. Épave de Kétos. Ok, déplacement rapide. Oh, c'est qui ça? Ah oui, c'est elle. Attends, vas-y, répète-moi, c'est où qu'on doit aller? À chaque fois, j'ai du mal, quoi. Retournez voir Gellon. D'abord. Bah. Genre parce qu'on l'a fait en fait. On l'a fini. J'ai trouvé ton navire. Et donc? Allez, où est-ce qu'ils sont? Où est Magike? Je ne sais vraiment pas comment t'annoncer ça. Malaka! Ah mais je m'en rappelle plus de ça moi. Je sais toutes les femmes d'Athènes avant que tu dises quelque chose. Où est-ce qu'ils sont? Bah, ils sont tous morts. Ils sont morts, d'accord? Et tu n'as plus de navire. Oh, Magike. Je n'ai retrouvé que son brassard. Ah, Magike. Voilà. C'est le bateau qui était dessous, en fait. J'imagine dans que l'eau. Je ne suis plus capitaine. Sans navire, il n'y a pas de capitaine. Ah, rejoins-nous. Voilà. Je peux t'offrir une place dans mon équipage. Je sais que ce n'est pas la même chose qu'avoir son propre navire, mais tu auras une famille. Mmh. Être en mer sera toujours mieux que de rester avec ses dévots. Marché conclu. Jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. C'est pour ça que je me... Bien. Dis-moi, où est ton bateau? Navire. Il s'appelle la Drestia. Comme tu voudras, capitaine. Je me disais, ce nom, en fait, Gike, Gellon, là, ça me dit quelque chose. Et du coup, c'était bien le... Ouais, on l'a plus maintenant, on a dû le rendre. C'est... Oui, on l'a rendu. C'était bien le petit bracelet en vert. Il avait une couleur un peu vert. Donc ouais, on avait fait ça déjà. Je crois que c'est celui-là, là, l'épave du Keto, c'est ça. Je crois, hein, je crois que c'est celui-là. Hein. Ouais. Enfin bref, on avait trouvé ça, ouais. Ou alors la petite crique, c'est ça qu'elle parlait peut-être? Où il y avait des coffres au fond. Enfin bref, dans tous les cas, c'était ça. Je m'en rappelle maintenant. Donc c'est bien. Par contre, tu nous as donné de l'équipement de merde. Tu nous as donné de l'équipement de merde. Je sais pas si on a bien fait, si on fait bien en fait d'équiper du bleu là. Enfin, c'est tout du chasseur, c'est bien pour nous. On est d'accord quand même. Après, il y avait ça qui était bien. Santé. On gagne de la santé. Non, mais on est bien, on est bien. Il faut que j'arrête de me prendre la tête. Bref, navire. Donc 6% de blindage. Elle est nulle. Elle est nulle. Gellon. Elle est vraiment nulle. Mais bon. Envoyez tout. Tous les lieutenants non affectés seront renvoyés. Quatre lieutenants peuvent être recrutés. On va voir si vraiment je suis bloqué avec les lieutenants là. Le dernier épisode, on avait vu qu'en théorie, oui, je pouvais plus recruter. Mais ça me ferait un peu chier qu'on puisse vraiment plus du tout recruter en fait à cause du fait que les gens soient qu'on soit plein. Alors toi. Dis-moi, besoin d'aide? La prêtresse m'a interdit de jouer ma musique au temple. Elle dit que je mène une vie impure. Et pourquoi pense-t-elle cela? Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai un ami, un homme politique qui pourrait m'aider. Si je lui envoyais un message.
Mais on pourrait aussi s'occuper d'elle, me traiter d'impure. Tu veux la mort de cette femme? Et tu veux que je l'élimine? Tu comprends très vite. Ce ne sera pas facile, mais je vais m'en occuper. La gloire te reviendra, mercenaire. Kéré. Kéré. Alors, mort de la vie, c'est par où? Par là-bas. Oh mon dieu, qu'est-ce que vous êtes bruyants, les gens! Vous êtes plus bruyants la nuit que le jour. Le lieu sera bien défendu. On va peut-être pas y aller. Enfin, pas par là, en tout cas. J'aime bien ce que le mec qu'on a éliminé ici, là, qui gérait la zone, ouais, bah, il est sur notre bateau. Il doit être content de revenir d'où il vient. D'accord. Maintenant, allez chercher l'argent. Ah. Aratos, point d'acier. C'est un nouveau dirigeant. C'est un nouveau dirigeant, Aratos, point d'acier. Né dans la famille de guerriers, de généraux, de fauquiers à Toivo, point d'acier, avait une voie toute tracée. Il fut aussi impitoyable qu'irrésistible, quelque temps du moins. Les gardes du corps se... Quoi? Les gardes du corps du dirigeant vont l'abandonner. Merdez là. Ah la pute! Ah mais on fait un peu mal maintenant. Fermer ta bouche. Très bien. Fallait peut-être essayer de remettre la contrée à flot et tout ça, avoir des gardes du corps, ça serait mieux passé pour toi parce que ton ancien dirigeant, en fait, ton prédécesseur, est merde. Caria, preneuse d'âme. Alors, Calaria, preneuse d'âme. Élevée par son oncle à la mort de ses parents, Calaria apprit à endurer la douleur et devint une célèbre mystios. On dit que ses victimes ressentaient sa souffrance avant de mourir. Elle disait que prendre leurs âmes était le seul moyen de réconforter la sienne. Des dagues. Dagues d'assassin. Elle a un lynx avec elle. Merci.
Arrête de protéger ton chat, putain. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Casse-toi. Putain de trucs de merde. Oh la vache. Bouge. Je fais de la merde. Tu seras bientôt dans l'autre monde. Eh ben. On a eu des nouvelles. Des dégâts de dispersion de tir. On a eu des nouvelles informations. Je savais pas que le machin il pouvait s'agripper comme ça dans le dos et tout. Ça pète. J'avoue que ça pète. Bon, allez, on se casse. Après, je suis pas sûr de comprendre pourquoi les... Ouais, c'est peut-être parce qu'on est trop haut niveau, du coup le... C'est toi? Tu l'as tué? Elle ne sera plus un souci. La mercenaire, elle a peur. Vraiment, elle nous attaque pas. Guerrière. Prends ceci en remerciement. J'aurais besoin de quelqu'un ayant tes compétences. Ça t'intéresserait de rejoindre mon équipage? Alors, quand partons-nous à l'aventure? Non, là, il y a de la place. Non, je sais pas pourquoi à un moment. Tu sers à rien, Blundell. Je sais pas ça. Pourquoi j'étais limite. Et pourquoi je pouvais pas le prendre, le mec, la dernière fois? Je sais pas. Bizarre. Très étrange. Alors, 202. Ça, notre prime baisse un peu avec le temps, ça va. Meurthe, envoi de navire par le fond, ça va. Et bon, lui, traître de Sparte. Bon, lui, Sarpedon, il est pas très content. Ça va. Ok, là. Sort du loup. On va laisser passer la nuit. Faut pas dire que je me suis gouré en restant à pied sur la touche. Faut pas le dire. Je voulais vraiment qu'il fasse jour parce que c'est mieux le jour. Suivre, voilà. Allez, allons parler à notre pote là, qui nous doit de l'argent. C'est vous. J'espère qu'il va nous donner beaucoup d'argent quand même. Et là, on mérite beaucoup d'argent. Oh, Mistios. Comment était Megaris? Le loup est mort. Excellent. Voilà ton paiement, comme convenu. Ça a l'air un peu léger. Ce que j'ergote? Allons, Cassandra. Ce n'est pas tous les jours que je pousse quelqu'un à tuer son père. Sauf qu'il n'était pas ton vrai père. N'est-ce pas? Peu importe, tu mérites la mort. Pourquoi voulais-tu la mort de Nikolaos? Comment étais-tu au courant? Comment savais-tu que Nikolaos était mon beau-père? J'aime le théâtre, comme tous les arts. Un grand général jetant ses enfants d'une falaise sur une sentence de l'oracle. C'est une tragédie éternelle. Tu prends ma vie pour un divertissement?
Oh non, ma chère. Pour une œuvre d'art. Je sais, ça fait beaucoup de choses à la fois. Viens. Dis-moi, Mystios, est-ce que tu as appris quelque chose d'utile auprès du loup ? J'en ai assez dit. Je ferais mieux de te tuer. Quel tempérament. Oh, il te disait pourtant différente, mais le sang ne ment pas, j'imagine. Qui ça, il ? Et quel sang ? Tu as décidément plus de muscles que de cervelle. Dommage. J'aurais pu faire appel à toi pour d'autres tâches. Malaka, tu crois pouvoir t'amuser avec moi ? Je vais t'arracher la langue. Oh oh. Tu me déçois beaucoup. Oh merde. Sérieux ? Je vais te tailler en pièces. Je pense que lui il est au courant pour notre père, ou alors c'est même notre père peut-être. Non bah non, du coup est-ce qu'il a dit il parlait de quelqu'un d'autre. Vous faites chier tous. Et vous me faites chier tous. Bien d'examiner sa maison. Ah, ok. Une lettre pour Elpenor. Alors. Oh, Fouibé, tu l'as conduit jusqu'à moi. Kratos, tu avais raison à propos de la petite paysanne de Kavan. Elle m'a mené à la Mystios. Près des ruines anciennes, tu as fait du bon travail en les retrouvant. Reste à les persuader de me faire confiance. Je dis que j'aimerais le théâtre. Tu trouveras ton paiement après ce qui est signé Elphénor. Il y a beaucoup de trahison. Elphénor cherche une femme. Je me demande qui il veut manipuler. C'est cette folle de prêtresse du sanctuaire. J'irai voir moi-même là-bas si elle ne me faisait pas aussi peur. Bien à toi, Antonide. C'est un manifeste de navire. Elpenor vend des armes à Athènes et à Sparte. Il a intérêt à ce que cette guerre s'éternise. J'en ai rencontré des traîtres, mais aucun d'aussi perfide qu'Elpenor. Je vais soulever chaque pierre et fouiller toutes les ombres. Je trouverai et tuerai ce serpent. Ça marche. Toi, faut être recruté par contre. Toi, il faut qu'on te recrute. On a récupéré le casque de notre papa. Dégâts de guerrier, santé, 10% de dégâts de crit. J'avoue qu'il est mieux. Ouais, il est mieux sur tous les côtés pour le moment, avec ce qu'on a. Après, comme pour l'histoire, je veux pas genre faire une histoire parfaite et tout ça, genre la meilleure fin et tout machin. Je fais juste ce que j'aime, ce qui se passe en ce moment. Je connais strictement rien de l'histoire du jeu en général et tout ça. Donc là, le mec, ben, je l'aime pas, puis voilà, je lui ai dit que je l'aimais pas, quoi. Je voulais pas le tuer directement, mais je voulais un peu qu'il en dise plus. Donc le mec nous manipulait et tout, et j'avais pas envie de travailler pour lui, bah basta. Voilà, c'est tout.
Il n'y a pas vraiment à chercher plus loin en fait. Donc lui, il faudrait le recruter. Voilà, cut. J'ai fait de la merde. Il y en a un autre. Oh putain, là elle fait mal. Putain, vous me faites chier. Elle lui a mis une flèche, elle l'a défoncée. L'autre. Tu veux chier là, connasse. Pourquoi je peux pas le recruter, le mec? Parce que je suis en combat en fait, je crois. Je crois que c'est ça. Ça aurait du sens en fait. De ta mère. Tant que l'autre qui meurt pas, moi ça me va.
cru que je pouvais la... Putain de merde. Bouge pas, j'arrive. Ouais, c'est parce que ne te fais pas peur. C'est parce que j'étais en combat. C'est parce que j'étais en combat que je pouvais pas le recruter. Merde. D'accord, bon maintenant je sais quoi. Alors, résistance au feu. Ah, ça c'est bien ça. Les cadrona, 4% de reconstruction d'intégrité après navire coulé. Ouh, c'est bon ça. D'accord, donc on peut avoir des mecs à l'infini, je pense. Ça marche. Quel bordel. Alors, dégâts de lance, dégâts sur animaux, dégâts assassins. Non, c'est bon, Moi, j'aime bien ce qu'on a. Enfin, quoique, j'en sais rien en fait. Dégâts chasseurs. Non, je crois que notre équipement est pas mal. Allez, allez. Bon, on va devoir s'arrêter là par contre. Ça va faire plus de 2 heures. Ouais. La prochaine fois. Tiens, quel bordel. J'avoue que là, il y a eu beaucoup d'informations très vite. Alors, on a lui qui est nouveau après nous. Dégâts de poison, ça marche. Wow, on les a tous trouvés. Ça va, ça se passe bien pour le moment. Porteuse d'aigle. Le prochain niveau, on mettra nos 2 points dans des choses comme ça, genre là, requiert le niveau 16 et tout ça. Donc on va le garder, le point, comme j'ai dit. Il y a vraiment la maîtrise des bêtes que je suis pas encore complètement sûr de que ce soit vraiment très utile pour nous, mais on se débrouillera. Je suis même en train de me demander si on devrait pas genre reset nos points maintenant. Comme ça on aura un troisième de plus, donc ça ferait un là. Un là. Et après on peut le mettre n'importe où, là, genre là par exemple. C'était ça ouais, pour avoir le niveau 3. Les assassinats rapportent un bonus de 1 segment d'adrénaline, ouais, des trucs comme ça. Ouais, parce que ouais, les bestioles c'est bof pour le moment. Mais ouais, notre équipement est bien, je pense. Le truc de pirate là qu'on a récupéré. Ça, est-ce que ça vaut le coup de le remettre à fond? Je pense pas. Parce qu'on va perdre en chasseur et l'arc il commence à faire extrêmement mal. Là on a quoi? On a chasseur, dégâts au tir à l'arc chargé. Ouais non non c'est très bien. Par contre le casque du loup ça c'est bien aussi. C'est mieux que ce qu'on a. Parce que la santé en fait c'est surtout ça qui est bien. La santé et les dégâts critiques. La santé est pas mal. Très bonne résistance aussi. Donc
Bon bah je suis content, ça se passe bien, c'est un peu fouillis des fois, parce qu'on a plein de choix à faire, où on est à deux casques. Les mecs me recherchent, va falloir qu'on tue lui je pense. Héros Ménès là, comme ça il arrêtera de nous faire chier, nous envoyer des gens surtout. Ouais, ça se passe plus ou moins bien. Et j'assume tous les choix que je fais, même s'ils sont très mauvais, je les assume dans l'histoire. C'est pas grave, comme j'ai dit, je cherche pas à faire un truc bien précis. Je fais les choix au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est point barre. Pour le moment, on a appris que c'était notre beau-père, que l'autre là qui nous a employé, là, qui nous a amené à le tuer, notre beau-père, du coup, nous manipule parce qu'il doit en savoir plus. Apparemment, il doit savoir qui est notre père, je pense, quasiment certain. Et je pense qu'il cherchait à savoir où était notre mère. Vu qu'on avait l'option de lui dire, c'est peut-être que du coup il cherchait à savoir où était notre mère. Si elle était encore en vie en fait. Ouais, je le vois bien comme ça là. Donc ouais, on va le retrouver, on va le tuer. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.